Bonjour. La maison du canal se situe 5 places de l'obélisque et est occupée aujourd'hui par l'espace jeunesse. Elle a été construite en 1761 par le Chalonnais Émile Angotet, architecte, pour les arquebusiers qui s'entraînaient à l'arrière de la bâtisse. Dès 1779, on décide de creuser le canal du centre qui débouche dans la Saône à Chalon-sur-Saône. Et on demande à Émile Angotet, cette fois c'est l'ingénieur, de diriger les travaux. Il s'installe alors dans la maison du canal, il en fait son habitation et son lieu de travail. Il s'agit d'un hôtel particulier entre cour et jardin. Les niveaux inférieurs sont éclairés par de grandes ouvertures avec au-dessus un demi-étage en attique. Le décor se concentre sur les garde-corps en fer forgé et le fer forgé, on va le retrouver à l'intérieur du bâtiment pour la rampe d'escalier qui joue avec l'autre matériau qui est la pierre claire de la région. On a donc un exemple caractéristique de l'architecture à la française de la deuxième moitié du XVIIIe siècle qu'on peut comparer un petit peu plus tard avec l'hôtel Colemont-Fuselet, quai des Messageries, et l'hôtel Chiquet, rue des Tonneliers.